crois qu'ils sont heureux. J'ai lu les propos de Richard Pujols dans la presse ce matin à propos des stars, des principes du RCT. C'est amusant, il est bien dans le moule du rugby. Il a juste un club qui est un président qui fait partie des 50 premières fortunes françaises, qui a un avion privé, qui a dû injecter une vingtaine de millions d'euros en 2 ans. Sinon, on serait en fédéral une. Et qui parle de clubs riches et de stars avec Toulon. Voilà, la différence entre Toulon et Paris, c'est que moi j'ai mis un peu d'argent pour créer une économie. J'espère que Paris fera aussi bien avec son stade qui coûte 200 millions d'euros, je crois, à la ville de Paris. Je leur souhaite beaucoup de choses, mais il faut avoir un peu de pudeur, quoi. Parce que quand on a les conditions du Stade français, quand on récupère l'héritage de Max Guazzini en sachant tout ce qu'il a apporté dans ce club, et quand en plus on a les moyens du Stade français, il faut éviter de parler du carnet de chèques des autres, quoi. Ça, c'est bien. J'ai trouvé que ça manquait de pudeur de la part de Richard Pujols, qui est un mec que j'aime beaucoup, hein, qui a beaucoup d'humour. Mais là, je crois qu'il a déraillé, quoi. Je crois que Richard a eu des déclarations qui sont déplacées. Je crois que Richard, il ne faut pas qu'il oublie qu'il était salarié comme moi, quoi. Quand tu veux ouvrir ta gueule, tu mets des ronds comme il a fait Mourat, t'achètes un club et là tu peux ouvrir ta gueule. Là, tu peux faire ce que tu veux. Quand t'es un salarié comme moi, tu respectes d'abord les autres. Et puis bon, ce que j'aime pas, c'est qu'ils disent le chéquier, c'est ça, fait, je sais pas, le chéquier du truc. Mais ils ont un budget plus important que le nôtre, d'accord. Son patron est multimilliardaire. Donc il a pas à parler de ça, Richard. Il doit rester à sa place. Mais c'est jeune, il débute dans le métier. Je crois qu'il a traité les joueurs de stars, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'on va dire, moi, de Papé, de Atou, de Côte des Pommiers, de Saké, qu'est-ce que je vais dire, moi, que c'est les stars, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ça. Moi, ce sont des joueurs de rugby, je les respecte, et ils jouent dans le club qu'ils veulent, et voilà, il n'y a que ça de beau. Le reste, tu ne peux pas attaquer ou un président de club, ou c'est comme si moi je disais, mais ça va, il est multimilliardaire, c'est un con, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, c'est où, on va où, là, c'est quoi, cette déclaration bidon.